2, 3, 4. À l'heure où les gens s'éveillent, à l'heure des poules, l'heure des fous. La rue était pleine de soleil, j'ai pris le train de 7h20. Descendu dans le village, sentais le beau, sentais le sapin. J'entends le pigbois dans son arbre, me sens loin, mais je me sens bien. Bonjour gang, bienvenue à cette leçon de Picbois de Beau Dommage. Cette chanson n'est pas nécessairement facile à jouer pour les débutants ou même intermédiaires. Je vais vous la montrer à jouer avec le finger picking, puis après je vais vous montrer vraiment le strumming. Okay? Bon, bienvenue sur cette leçon de Picbois. Tout d'abord, je vais vous montrer... Je vais vous montrer ce que vous pouvez faire là, avec le finger picking. Je vais vous montrer les accords. N'oubliez pas d'aller voir dans la description du vidéo, là, j'ai tous les accords, les paroles, la partition finalement là, pour que ce soit un petit peu plus facile pour vous de suivre la leçon. Donc c'est parti pour le finger picking. Je vais faire le finger picking, l'intro, une seule fois. Puis à un moment donné, il y a une petite variante qui fait que moi j'ai pas faite dans l'exemple du début, là, je vais vous le montrer en détail, puis je vais expliquer pourquoi je le fais pas. Donc, je vais lentement. OK, encore une fois lentement. Un petit peu plus rapide. Donc, pour l'intro, la petite variante, c'est quand il tombe sur le D. Donc, je vais vous expliquer qu'il fait. Moi, au lieu, je vais faire... C'est comme le D en continuité, au lieu de faire... Attendez-vous, le... c'est deux fois le D. Deux fois la corde D. Exactement, la corde D ici. Moi, c'est plus naturel pour moi de le faire, de pas faire les deux D de suite quand je chante. Donc, quand je chante, j'ai juste besoin de me concentrer sur les paroles et non sur ce que je joue. Donc, c'est plus facile pour moi de chanter. Donc, je vais venir faire. À l'heure où les gens s'éveillent, à l'heure des poules, l'heure des vous.
OK, maintenant, je vais vous montrer les accords que vous devez faire. OK? Tout d'abord, ça va être un EM. Ensuite, un D sus 2. C'est comme un D, mais on enlève le majeur. Ensuite, un C. Ensuite, un C avec une base en B. Donc, sur la cinquième corde, deuxième case. Ensuite, un A7, A7e. On retourne sur un E, D sus 2, C, CB, A7. Ensuite, on fait le riff 1. On recommence sur EM. D sus 2, C, A7, EM, D sus 2, C, deux fois A7. Refrain, EM, G, D, BM, C, A7, EM, G, D, BM, C, F. OK, maintenant la chanson lentement avec les accords. Vous allez pouvoir finir avec le petit riff final sur le F. Riff final sur le F. Voilà mes amis, c'est pas une chanson facile, je suis allé quand même assez rapidement, mais avec de la pratique, commencez lentement, surtout avec le figure picking, commencez peut-être pas à chanter avec le figure picking, direct en partant, continuez avec les accords, commencez avec les accords, bien intégrer la chanson, construisez vers le bas pour monter vers le haut, puis tout va bien aller. Donc on se revoit pour une prochaine leçon, bye bye!